Je connais la chanson, capitaine. Pas cette fois. Ils ont donné à dire aux Russes. Ils vont le tuer. S'il a de la chance. Une fois de plus, le monde libre est sauvé, capitaine Price. Adir a localisé le labo de Barkov. Il est en Géorgie. L'usine de gaz? Il avait l'intention de la détruire. Adir est complètement dingue. On est tous un peu dingues, je pense. Vous croyez pas, Alex? Affirmatif, chef. Avec ton aide, on peut finir ce qu'il a commencé. Tu es un bon ami, capitaine. Et un redoutable ennemi, j'en suis sûre. Mais je ne franchis pas les frontières, je n'envahis personne, je défends mon peuple, ici, chez nous. Mais parfois, la meilleure défense... Tout est là. Les plans, le personnel. Je vois. Une milice en lien avec l'Occident peut accomplir cette mission. Et ils blâmeraient les terroristes, n'est-ce pas? Heureusement que t'es là. Si Barkov est là, il est à moi. C'est une mission secrète pour détruire le labo de Barkov. Nikolai est à l'intérieur. Il fournira les explosifs. Deux équipes vont s'infiltrer. Garrick et moi poserons les charges sur le tuyau. Farah et Alex, Nikolai vous donnera un détonateur pour détruire la fournaise principale. Une fois les charges en place, éloignez-vous bien et faites tout sauter. Lazuel fournit le soutien aérien. Le reste dépend de nous. Troupe à découvert, côté nord du pont. Demande de frappe. Compris, Witcher. Allons-y. On a leur attention. Allez, restez groupés. Périmètre ouvert, Kate. On peut y aller. À partir de maintenant, vous avez les commandes de frappe. Vous êtes en bon usage, Juan. Compris. Merci bien, Kate. À vous de jouer, Juan. Visez bien. Terminé. Les bras de l'aide, droit devant. Retrouvez-vous. 7, ici Echo 3. Besoin d'une frappe. Echo, Jaguar est prêt à tirer. Merci, bien par ici. Cible neutralisée. Évident.
Raté. Corrigez le tir. Abattez-le, Alex. Votre point de départ. Rejoignez Nikolaï pour les charges. Mettez vos masques. Barkov pourrait servir. Regardez. Le contrôle est prêt. Allez, au boulot. On y arrivera. Je savais pas qu'un labo avait besoin d'autant d'armes. On va tout rentrer. Dispersez-vous. Attention. Au premier étage. À l'intérieur. Thank you.
Alex, Farah, Nikolai. Dépêchez-vous, prenez vos charges. Le détonateur lancera une réaction en chaîne. La fournaise saute, le reste suivra. C'est ça, ne le perds pas. Pourquoi nous aider ? Barkov déshonore mon pays. C'est inacceptable. Спасибо, Nikolai. Je vais apporter le reste à Price et au sergent Garrick. On se retrouve tout à l'heure. On a un problème. Echo, ici Leader. Vous me recevez? Je vous écoute, Leader. On a repéré le général Barkov. Il se dirige vers l'héliport. Echo s'approche de la fournaise, Leader. Posez vos charges et amenez-vous. Bien sûr. Terminé. La fournaise est par ici. Voilà la porte. Je m'en occupe. Il est foutu. Je vais y aller.
Et faire quoi? Enflammer la fournaise. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Je sais ce que je fais. Farah, écoute-moi bien. C'est toi qui m'écoutes. À cause de ce poison, mon peuple subit des choses pires que la guerre. Je vais certainement pas faire demi-tour maintenant. Je te demande pas de faire demi-tour. Je te demande de me donner un ordre. Je peux pas faire ça. Commandant, allez. Je ne suis pas ton supérieur. Alors qui? Quelqu'un va devoir allumer ce feu et va devoir aussi tuer Barkov. Tu ne peux pas tout faire. J'ai obéi aux ordres toute ma vie, Farah. Mais celui-là, j'y crois vraiment. Alors donne-le-moi. Tu te bats pour la liberté, Alex. Tu es une leader, Farah. Donne-moi l'ordre. Va. Bien, dame. Bravo, Echo est à la forêt. Par rapport au général. Compris, Echo. On rejoint la canalisation. C'est bon, sergent. Fini les règles, hein, capitaine. Plus aucune. Commencez par ce sniper. J'ai une autre cible au sud-ouest. Lance-roquette à gauche. Des tuyaux pour vous abriter. Il est derrière ce pilier. Des soldats. Je les vois pas. J'ai une autre cible. En liaison avec Moscou tout de suite.
Je me fous de l'heure qu'il est, faites-le! Je répète, Barkov a décollé. Dites-leur que c'est le général Barkov! Barkov! C'est une question que je ne peux pas ignorer! Je l'ai envie. Mettez-moi en liaison avec Moscou tout de suite! Je me fous de l'heure qu'il est, faites-le! Dites-leur que c'est le général Barkov! Hors de question que je ne peux pas ignorer! Capitaine, Barkov est mort. Bien reçu. Alex, les charges sont en place? Affirmatif. Alex. La fournaise est encerclée, je m'en sortirai pas. Alors allons-y! Merci. Avec plaisir. C'est bon, capitaine. Compris. À toutes les unités, à mon signal. 3, 2, Bon travail. Rendez-vous au point d'extraction. J'arrive. La mère patrie approuverait. Où on va? L'Urzikstan. On rentre. Bonne bière la plus proche et pas à côté. La Russie renie Barkov. C'est pas comme s'ils avaient eu le choix. Il est mort. Vous avez fait beaucoup pour ce problème, John. Pour l'instant. Mais sans surveillance. Ce sera pas le cas. Le général Shepard a retiré les fichiers demandés. C'est pourquoi exactement? Une force d'élite. Mm-mm. On a déjà des ennuis. J'y mettrai un terme. Je finance des agents, pas des hors-la-loi. Profitez bien de votre thé. Zakaev veut le trône de Barkov. J'ai failli l'enterrer à Pripyat, avec Macmillan. Ça, c'était le père. Là, c'est son fils, Victor. Chouette famille. Des grands fans d'Adir. Ah, bah ça explique pourquoi il est toujours en vie. Ils vont le faire sortir. Alors donnez-moi carte blanche. Vous emmenez qui? Le sergent Garrick. Kyle? Il l'appelle Gaz. Il n'a jamais rien dit. John McTavish, SAS, sniper, démolition, surnommé Soap. Pourquoi? C'est top secret. Le voilà. Simon Riley. Il n'y a pas de photo? Jamais. Pour le reste, on va faire un marché. Sinon, je vous dis rien. Quel nom de code vous voulez? 1, 4...